Inforisque. Le podcast. Bonjour à tous, François au micro. Et bien aujourd'hui, nous allons parler de l'utilisation de l'inspection robotique dans la maintenance préventive et la sécurité des intervenants en atmosphère confinée. Pour évoquer ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Gilles Goderlo, qui est directeur des ventes et responsable du développement des marchés du sud de l'Europe, dont la France, chez Invert Robotics. Invert Robotics, qui est une entreprise de robotique dédiée à l'inspection et au contrôle non destructif. Créée en Nouvelle-Zélande, son siège est aujourd'hui européen avec un bureau à Paris. Invert Robotics s'adresse à des clients variés dans les domaines de l'agroalimentaire, la pétrochimie, l'industrie pharmaceutique et l'aviation. Gilles Goderlo, bonjour. Bonjour François. Alors ma première question sera: pourquoi un robot pour faire du contrôle en atmosphère confinée ? Il y a deux raisons essentielles par rapport à l'intérêt de ce robot. C'est qu'effectivement, on a une raison qui est humaine. De moins en moins des personnels de maintenance veulent pénétrer dans des espaces confinés. L'espace confiné, comme son nom l'indique, c'est un élément, une cuve, une tuyauterie plus ou moins grosse, qui potentiellement a une entrée qui est relativement restreinte et une sortie qui est éventuellement peut-être la même, mais qui dans tous les cas implique, je dirais, un savoir-faire particulier dans la façon d'appréhender et d'entrer et d'évoluer dans ces milieux-là. Ce n'est pas comme un milieu à l'air libre. Dans le cadre de l'évolution en espace et en milieu confiné, vous avez une première règle, c'est que vous devez avoir au moins deux personnes, une qui est celle qui rentre dans l'espace et une personne qui est à l'extérieur. C'est très contraignant. Dans les cas des procédures de maintenance, d'une manière générale, des gens qui possèdent ces éléments-là. Et la vraie problématique qui se pose derrière, c'est que si cet équipement-là est relativement haut, large, difficile ou assez grand en termes de taille, vous devez pouvoir y faire pénétrer des éléments type échafaudage, échelle, escabeau, quoique ces deux éléments-là, les derniers éléments-là sont relativement peu sécures. Et du coup, vous êtes possiblement à risque de marquer les équipements. Et quand vous êtes dans une phase de production, avec des équipements qui ont besoin d'avoir une surface la plus propre et la plus nette possible, faire rentrer un équipement d'origine métallique dans ces appareils-là peut effectivement l'endommager. L'intérêt du robot par rapport à ça, c'est qu'effectivement, vous n'avez personne dedans. La façon dont on fonctionne aujourd'hui avec un robot comme le nôtre, c'est que les personnels qui doivent procéder à l'inspection et au contrôle de ces équipements-là restent à l'extérieur, font évoluer le robot sur les parois des équipements inspectés. Et du coup, vous avez une très très grande sécurité des personnels dans la mise en œuvre. Avec ceci, la technologie que vous pouvez monter sur le robot, parce que vous avez un certain nombre d'outils qui permettent le contrôle non destructif, et le robot est en quelque sorte le véhicule de ces outils d'inspection et de contrôle. Ces outils-là sont facilement transportables, peuvent aller au plus proche des défauts qu'ils ont à constater, et également ceci avec une stabilité qui est absolument inégalé par rapport à d'autres éléments auxquels on pourrait, d'autres outils auxquels on pourrait éventuellement penser, comme le drone, comme les éléments sur corde ou les éléments qui sont tenus à bout de bras, bien évidemment. Oui, sachant que vous pouvez intervenir quand même, malgré la présence d'un robot, donc je dirais qu'il est autonome, mais câblé. Hein, je crois que vous m'avez dit que tout à fait. Il a un fil à la patte, je dirais. Exactement, mais c'est tout à fait ça en fait. L'objectif de ce fil à la patte, pour reprendre votre expression François, c'est à la fois de garantir une vraie stabilité du flux d'image. On est dans le cadre de notre robot, mais ça pourrait être le cas d'autres, avec un flux vidéo très 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 important, hein, puisqu'on est sur un zoom 30 fois avec une caméra ultra HD. Donc on a un flux vidéo qui est très conséquent, qui ne doit pas être interrompu. Et même si aujourd'hui la technologie Wi-Fi pourrait le permettre, c'est quand même assez contraignant. Et de surcroît, l'autre intérêt, c'est qu'on alimente en électricité le robot, qui est lui-même sécurisé par son câble. Et cette alimentation électrique permet une autonomie qui est inégalée et inépuisable, puisque les drones ou les autres équipements potentiellement sur batterie ont une autonomie qui est relativement limitée. Justement, on parle de robotique, mais la robotique, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Quelle est l'innovation ? Alors, je dirais que l'innovation part, en fait, pour ce qui concerne nos conceptions, part d'une demande qui a été générée par les grands faiseurs de l'industrie agroalimentaire en Nouvelle-Zélande. Notre fondateur était doctorant à l'université de Christchurch, et les grandes entreprises qui séchaient le lait en Nouvelle-Zélande avaient besoin d'un équipement qui soit facilement déployable sur des supports non ferromagnétiques,
et par voie de conséquence qu'il puisse s'attacher immédiatement et être immédiatement opérationnel. Donc il a tout simplement pensé à l'analogie de la ventouse ménagère. Vous la mettez sur la paroi, elle reste accrochée, vous pouvez potentiellement la maintenir et la translater sur la surface de la paroi que vous mettez en œuvre. Et en fait, à partir de cette analogie-là, il a conçu un robot qui est tenu par quatre ventouses à effet Venturi et qui évolue un peu comme un char d'assaut. Imaginez-vous un Wally ou un robot de piscine, c'est un mix entre les deux. Et à partir de là, vous pouvez traverser toute la paroi que vous avez à inspecter, y compris si elle est donc, comme je le disais, en acier inoxydable, en fibre de verre ou en verre, peu importe. Et donc, vous avez cette capacité d'autonomie et en même temps de tenue à l'inspection qui est assez inégalée. La vraie problématique pour un inspecteur en contrôle indestructif, lorsqu'il doit faire son analyse, c'est d'avoir une image qui soit stable ou que l'outil qu'il utilise reste très stable dans l'analyse qui lui transfère. L'ultrason, par exemple, vous avez donc un va-et-vient d'écho. Et si vous êtes à bout de bras ou si l'équipement que vous avez n'est pas stable, votre écho n'est pas très bon. Donc, et c'est valable pour la profilométrie laser ou les autres technologies que vous utilisez. Donc, l'avantage du robot tel qu'il est aujourd'hui déployé chez nous, c'est qu'en fait, vous avez une très, 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 très bonne stabilité de l'outil que vous utilisez en contrôle non destructif. Et l'inspecteur derrière peut donc donner un verdict qui est très pertinent. Et ça, c'est important pour nos commettants. S'ajoute à cela un atout essentiel quant à la protection du personnel, non ? Qui, restant en dehors de l'atmosphère confinée, n'est plus soumis aux contraintes normatives et règles de sécurité spécifiques. Ça doit simplifier quand même la vie de vos clients. Disons que c'est un peu comme si vous alliez au cinéma et que vous alliez voir un film d'action. Là, vous êtes à l'extérieur de l'outil à inspecter. Et en fait, vous pouvez déployer un écran en VMAX et donner la possibilité à vos personnels de maintenance de pouvoir vraiment se rendre compte des défauts auxquels ils auraient pu être confrontés s'ils avaient dû intervenir dans l'équipement avec les règles idoines. Et c'est beaucoup plus sûr. Peut-être une précision quand même, c'est que ces robots-là, vous ne les vendez pas, c'est avant tout un service que vous proposez. Je dirais que aujourd'hui, une grosse partie de votre clientèle utilisera l'outil robotique ou l'outil d'inspection de manière ponctuelle. Pour qu'un équipement comme celui-là soit amortissable, il faut ou que vous soyez l'utilisateur et le constructeur et le concepteur de ces robots comme nous, ou alors que vous soyez véritablement une société d'inspection qui avait besoin de cet outil de manière régulière, je dirais de manière pleine et entière tout au long d'une année. Il est beaucoup plus pertinent pour eux de faire appel à notre société qui les conçoit, certes, mais dans le cadre d'un service plus ou moins régulier ou dans le cadre d'un contrat de maintenance type. Mais nous sommes déjà à la fin de cet épisode passionnant. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis et si vous souhaitez en savoir plus sur les solutions d'Invert Robotics, vous trouverez tous les détails sur le site d'inforisque.fr. Il me reste, Gilles, à vous remercier pour cet entretien et à très bientôt. Au revoir. Merci François et merci InfoRisque. 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 Le podcast. Le podcast.